Shankevin, hey, je suis Shankevin, hey, je suis Shankevin. J'ai les maisons au cobalt, ça rend pas si mal. Salut à tous et à toutes, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de personnes. Je suis tout seul. On se retrouve sur iPixel pour une toute nouvelle série, la série The Secrets of iPixel Lobby. Bref, iPixel a foutu pas mal de secrets sur ses maps, donc je me suis dit, et pourquoi pas essayer de tous les découvrir. Donc les premiers secrets que j'ai découverts, c'était on spawn sur la map, ici on voit des choses différentes. Salut Ali au passage. On voit plein de choses différentes, des fois qu'on spawn on voit des rails en bas. Je me suis dit, tiens, c'est sûr qu'il y a un secret. Et donc, je suis parti à la recherche de tous ces secrets et j'en ai trouvé quand même pas mal. Le premier secret, donc il est dispo sur pas mal de chaînes de... YouTube, mais bon, je l'ai découvert quand même tout seul. J'ai quand même fait slash party. Voilà, comme ça. Bon, là, j'y vais un peu, je suis VIP, mais bon, j'ai pas trop envie de, enfin, de vous montrer comme si vous seriez no VIP. Donc, vous descendez là. Oups. Et vous allez. Attendez, j'ai juste un petit truc. Une petite chose à regarder. Non, c'est bon. Vous allez ici. Ici, ici. Donc, vous pouvez voir, c'est mon texture pareil qu'on voit. Ah là là là. Bref. Donc, on peut voir, c'est une maison toute nouvelle. Enfin, toute nouvelle, toute belle, avec un beau sol, etc. Mais personne n'a pu s'imaginer qu'il y a des échelles vers le bas. Donc on peut les prendre, on voit, on peut aller tout près de l'eau, c'est beau, c'est magnifique. Mais personne ne s'est encore dit qu'il y avait encore une entrée par lui ici. Waouh! Vous entrez dans une petite zone, pas très connue, parce que même si j'active Player Visibility, il n'y a absolument personne. Ah si, il y a des gens qui se sont ramenés sûrement derrière moi. Mais bon, je vais les cacher. Voilà, donc on y va. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On va percevoir des... Comment ça s'appelle? Des rails. Donc on peut s'imaginer que ça a été employé pour des miners qui sûrement venaient ici pour miner et faire pas mal de choses bien sympas, ou tout simplement c'était une prison. Si on peut voir des cellules pratiquement, oh là là là, j'ai lagué, pratiquement pareil pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment tout est pareil. Donc ici on voit il y a une URL. Donc ça c'est la première. Et en gros, de cette URL, il manque juste cette lettre que je vais essayer ensuite de la retrouver sur Internet. Donc, c'est HA. Donc, on continue notre petite visite du secret. Par contre, pour sortir, voilà. On continue par là. Là, on peut voir le petit troll. C'est iPixel. Salut, coucou. Bref. On continue. Bon, comme vous voyez, c'est vraiment des... Tout se ressemble, donc c'est pas des choses nouvelles. On continue, ici il n'y a plus rien. Vous demandez comment aller là-bas? C'est très simple, je vais vous montrer. C'est un petit secret bien sympa. Je me suis dit, ça se trouve, il devait bien aménager son espace de façon bien chelou. Parce que bon, voilà. Alors ici on a des TNT, donc sûrement pour les miniers, il va servir à faire péter des tunnels. Je sais pas, on peut s'imaginer plein d'histoires. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver tout l'URL, mais peut-être là quand... Je vais vous montrer les autres. Hop là. Where am I? Ça, je vais vous montrer comment y aller, c'est très simple. Donc, on revient. Calme, ne pas tomber. Si vous êtes de VIP. Continuez par là. Vous continuez par là. Hop là. Donc, je rappelle... Je tourne avec Miralis. Je le dis à chaque vidéo. Donc, au passage, je vais aller maintenant mettre play.
Cette série est déjà tournée d'avant, donc ce ne sera pas une série abandonnée. Ça, je peux vous le dire tout de suite parce que moi, ça me fait extrêmement plaisir de décortiquer tous les lobbies. Surtout d'Hypixel qui est sympa, puisque bon, ces serveurs, on peut pas dire, c'est les meilleurs serveurs de Minecraft. Donc là, on peut, quand je vous avais vu, je suis monté. Non, bah voilà. Je suis monté, vous pouvez voir, c'est quand même assez stylé. J'ai l'impression de faire un truc comme ça. Bref. Un petit bar, bien sympa. Voilà. Continuez, là, y a rien de spécial. Là. Non, y a rien. Bon. On va continuer à monter. When home go drunk or wait other way around. C'est ceci, on peut l'apercevoir en fait. Je l'ai aperçu cette petite maisonnette depuis l'extérieur quand je cherchais les secrets. Donc, honnêtement, je dois vous dire, c'est la première fois que je découvre ça, c'est avec vous. Enfin, cette partie, puisque les autres, j'ai trouvé en chargeant les chunks. Bref, on va continuer dans l'autre sens. Mais voir, c'est vraiment. Il a mis quand même pas mal de temps à faire tout ça. C'est vrai, c'est très très beau. Je vais mettre mon petit mode de souris. Comme ça. Oh là, oh, ça ne mode pas. Ça marche pas. Bref, une petite deuxième salle bien sympatoche. On descend. Donc, comme je dis. Ça, c'est le premier épisode, il est sur le Blitz. Après, je vais vous faire sûrement le deuxième épisode sur le lobby de Vampire Z. Que Vampire Z, c'est un truc assez spécial parce que c'est un labyrinthe. Je vous en dis pas plus parce que sinon, voilà. Et faut être VIP pour aller dans le truc de Vampire Z. C'est la seule contrainte. Bref, on va maintenant de l'autre côté. Oh, fail. Voilà, maintenant, on va au-dessus. Vraiment, on peut vraiment voir qu'il a passé quand même pas mal de temps à faire tout ça. Oh là là là. Hop. Là, on continue de monter. On continue de monter. On arrive dans un gros tas de, comment dire, de merde. Donc, on peut s'imaginer qu'on n'est pas VIP, qu'on fait des trucs de fou entre lui. Mais bon, nous on est VIP, on va plus vite que ça. Bim, 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 bim. Et là on arrive au truc de DJ Monster. Et voilà, ça. On peut sortir de ça et de revenir. C'est une partie qu'on voit très très bien. Qu'on est VIP et qu'on. Même qu'on n'est pas VIP, vous pouvez escalader, vous pouvez voir cette petite partie. Voilà, donc là vous avez le petit stand yo-yo-yo-yo, bref. Juste une bague de merde. Voilà, après pas grande annonce à venir. Parle vraiment KTG, on est vraiment navré de pas vous le faire, mais bon. Là on est vraiment pas mal à vouloir jouer, mais toujours quand on joue, il y en a un qui doit partir, et voilà, donc c'est un truc de merde. C'est ça qu'on peut jamais commencer une grande série. Donc on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Et on arrive là où je vous ai dit qu'on va venir. Voilà. Excusez-moi. Beauty Room. J'imagine que c'est une fille qui l'a fait. Oh, c'est stylé quand même ça. Je pense que je vais le faire. On va fermer quand même. Le bâtard, on va pas rentrer chez les filles, ils s'enferment là-bas. The main cave. The manliest cave. Don't touch very pointy, say the wise. Ce skin, je ne le connais pas, je suis désolé. Je connais pas tous les skins non plus des créateurs, j'en connais quelques-uns, mais pas tous. Donc voilà, c'est une salle assez sympa. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment ou non? Personne. Ok, de pub. Donc on a vraiment, c'est très stylé. On voit qu'il a passé du temps à faire tout ça. Avec, je sais pas, ils ont dû passer vraiment. Peut-être pas Hypixel, parce que c'est pas Hypixel qui a fait la map.
Voilà, là, on peut voir. Et puis, c'est pas fait la map, c'est des gens qui l'ont fait pour lui, mais vraiment, on peut pas dire que c'est une map foirée, puisqu'elle est très, 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 très belle. On voit des Français qui se parlent, on s'en bat les couilles. Bon, j'explore un peu, enfin, j'ai pas vraiment pu explorer en détail tout seul, donc je en profite avec vous. Enfin, avec vous. Vous avez regardé la vidéo, je serai avec vous, mais là, je suis tout seul. En mode, forever. Bref, pour continuer par là, on regarde. Voilà, bon, pas grand chose d'autre. Donc, si vous allez là où je vous ai montré et vous réussissez, si vous réussissez, oui, voilà, c'est bon, c'est français. Si vous réussissez à découvrir tous les autres. Oh là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, chaud. C'est bon. Oh là, pourquoi elle est toute chaude la souris? Bref. Si vous réussissez à faire tous. À trouver les autres pancartes sur cette sur ce lobby, écrivez-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas. Parce que bon, voilà. Donc, c'est tout pour le moment. On va remonter. Voilà, donc on revient à notre petit à notre petite maison. J'ai avoué, j'ai 15 000 coins. Donc je collectionne pour avoir. Je vous montre au passage, je collectionne pour avoir ce kit là. 16 000 coins. Donc c'est beaucoup. C'est très beau, c'est vraiment beaucoup. Tout qu'on n'en fait pas beaucoup. Donc j'ai la chance que Ali il booste mon compte. Parce que bon, mon compte c'est devenu un compte que tout le monde a mis identifiant. Bref. Ah, ici on voit les créateurs de la map, un petit troll, les 4 créateurs. Bon, hop. J'ai une qu'il faut aller voir. Hop. Donc, voilà, vous pouvez, vous avez un petit aperçu de la map. Vraiment, c'est une très très belle map. On sait qu'Hypixel a passé énormément de temps dessus. Ça, c'est irréprochable. Enfin, les personnes qui ont fait ça. Ici, comment ça s'appelle, on voit le troll de Minecraft, il est toujours représenté par The Face. Et on voit encore un créateur de Minecraft. On va se quitter sur des belles paroles. Et je vous dis, je regarde encore ici, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette magnifique aventure. Salut tout le monde!